on attend l'Arzonaute. L'Arzonaute qui va nous faire une toile en direct. Donc il ne faut pas manquer son arrivée. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, là, vers 4 mois, tout à l'heure, pour payer très cher pour aller voir des toiles ou des choses. Alors que là, on va produire peut-être un chef-d'œuvre gratuitement, hein, on peut le dire. En direct, c'est même autre chose, c'est la peinture fraîche. Voilà. Ça, mes géos. Ah, tout ça, c'est pour mon tableau. Ils sont tous là pour admirer. Bon, j'ai pris un tramadol, un petit douleur, un peu de morphine, là. C'est pour les copines. Je te laisse gérer, hein. Maintenant, à toi de jouer. Ah ouais, t'as dit, prends ça, parce que sinon ils vont m'accuser de tentative de meurtre. Ça, c'est côté pacifique et côté mortel. En plus, c'est à toi. Ah, t'as bien. Ah, le plus important, c'est enfantiste. Nous allons faire de l'enfantisme. Nous déterminons l'enfantisme tant que l'enfant est enfant. Voilà. Ouais, point de vue juridique, jusqu'à 18 ans. Hop, hop, hop. Voilà. Regarde, regarde. Bon, alors. Une performance, c'est pas du tout pour faire sur la voie publique. Attention. Note. C'est leur seul espoir d'être reconnu, retenu dans l'histoire. Et de me causer correctement, sinon ils seront insultés dans les livres d'histoire. Ils ont intérêt d'être polis et de préserver la sensibilité de l'art véritable. Avec un petit budget de 2 millions d'euros par an, ils ont des inquiétudes. Ils sont obligés d'avoir l'espoir qu'on leur donne des œuvres pour que le musée puisse exister dans les... S'ils achètent des croûtes art conceptuel, ils sont dans la merde. L'art conceptuel d'aujourd'hui correspond au néo-raphaélisme de l'époque des impressionnistes. Et néo-raphaélistes, on appelait les pompiers. Les pompiers, et les gros connards de riches, ils achetaient les pompiers du néo-raphaélisme. Pendant que les grands impressionnistes croûtaient difficilement. C'est bon, vous arrêtez aussi de filmer, hein, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Non, mais c'est bon. Il semble que là, on a le droit de filmer. Hein, je vais leur dire. Il y a madame qui... Hey,
c'est pas l'endroit. Mais c'est comprenez marrant parce qu'en plus, si on veut avoir leur exposition, la plupart des artistes qui sont exposés là-bas, et c'est, enfin, voilà, c'est des œuvres qui se posent en opposition avec l'autoritarisme. Et je me dis, bah, là, on a exactement ce qui se passe ici, on ne cautionne pas. C'est un peu hypocrite. Après, voilà, on est dans une 5e République où aujourd'hui la police est juste le bras armé du président. Donc, est-ce qu'on est étonné? Non. Mais, ouais. Je suis fils d'avocat, je sais, je ne cache pas. On ne peut pas dire tout ce qu'on pense devant la porte du Centre Pompidou. Moi, je comprends les deux. Ouais, je pense qu'il l'a un peu fait exprès. Je pense que justement, il cherchait justement cette controverse avec l'autorité. Ouais. Et il a raison. Au final, qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que l'artiste? Et est-ce qu'une œuvre d'art est considérée comme une œuvre d'art à partir du moment où elle rentre dans un musée? Ou est-ce qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art juste parce qu'elle est l'œuvre d'un artiste? Et donc là, c'est un peu la question, je trouve, qu'il soulève aussi. Et quand il dit « je suis l'artiste le plus cher de France, je vous fais un don ». Et que bah, on a le chef du musée qui le dénigre totalement, non, comme s'il avait le monopole de ce qui est considéré comme art ou pas. Bon. Plusieurs questions qui soulèvent. Hein. Non, vous avez raison, il y a une partie. T'as raison, je suis d'accord avec vous. Bah là, ils vont s'informer. Nanana. Ah ouais, c'est le gars qui a fait Daniel Buren, effectivement. C'est sa vraie identité. Nanana. Je continuerai à faire de la peinture, des ateliers à la prison de la santé. Salvador, j'adore. T'as laissé mourir Garcia Lorca, là, un des plus grands poètes. Tu te disais le meilleur ami, sale pute. Tu l'as vendu faisant croire à Franco que t'allais capter le Guernica de Picasso. C'est leur projet Franco, il s'est entendu avec Salvador Dali pour capter le proposer une expo temporaire. Tout ça, le retour, réconciliation, tout ça, je ne sais plus quelle année c'était. Bah, Picasso n'est pas con. Il en a foutu. Même en faisant une copie, il aurait pu faire une copie, quoi, un deuxième pour préserver l'original. Il aurait pu faire une version voyageuse en Espagne. Ouais, c'est sympa, non? Il est quelle heure maintenant?